Ce jour nous sépare de la date des élections en République démocratique du Congo. Plusieurs questions continuent à se poser à ce jour. C'est vrai que nous avons vu il y a des semaines passées ou 10 jours passés de matériel de la CENI provenant de la Chine qui vont servir pour ces élections. Il s'agit de papiers de PV et autres matériels qui serviront pour le vote du 20 décembre 2023. Mais jusqu'à ce jour, la grande question reste posée. À quand l'arrivée de machines qui nous permettront de passer le papier pour choisir nos dirigeants? Ce sont des questions que le Congolais continue à se poser, mais la CENI continue à nous rassurer. Le dernier point de presse de M. Denis Kadima, qui a même élagué la question sur les cartes d'électeurs, il a rassuré à tous les Congolais qui ont obtenu leur carte d'électeur qu'ils iront au vote, même si votre carte n'a plus des écrits ou il y a une certaine partie des écrits qui ne se font pas voir. Il a demandé aux électeurs ou aux Congolais de se présenter devant le bureau de vote. Ils seront pris en charge par la CENI. Mais nous constatons aussi que cette campagne qui prendra fin le 18 décembre 2023 à 0h est agitée parce que vous êtes sans ignorer la situation qui s'est passée au quartier Ndanou à Limité. Des personnes ont perdu de vie parce qu'ils étaient hostiles à un candidat. Et les candidats, selon les vidéos qui circulent sur la toile, auraient promis qu'il allait leur montrer ce qu'il était. Et ça fait mal, ça fait mal. Si à l'est de la République démocratique du Congo, nous perdons des Congolais, nous perdons des Congolais jour et nuit, est-ce que pour aller aux urnes, nous sommes aussi obligés à perdre ou forcés à perdre des Congolais? Moi, je dis non, parce que nous l'avons vu avec ce qui s'est passé à Kindu, où le président de la Ligue des jeunes de l'ensemble a perdu sa vie. Nous le vivons à Kinshasa avec des Congolais qui vivent au quartier Ndanou qui ont perdu leur vie seulement pour les élections. Est-ce que nous devons aller aux élections de cette manière? Est-ce que pour chercher à avoir un siège à l'Assemblée nationale provinciale ou à la présidence de la République doit nécessairement amener à la mort des Congolais? Moi, je dis non. Nous avons vécu ce qui s'est passé hier à Kinshasa avec le candidat député national, M. Franck Diongo, qui, dans une vidéo, a essayé de détruire des panneaux, des bâches ou des affiches du président de la République, et nos amis du Force du Progrès ont réagi. Mais la réaction du Force du Progrès était étalée à l'extrême. Comme on dit, la vengeance tue, et ça créait une tollée sur la toile, et ceux qui devaient relayer ont relayé, chacun de sa manière. Nous nous disons, est-ce que pour ces élections, nous devons en arriver là? Parce que dans tout ça, nous restons Congolais. Les élections, c'est une bataille. Oui, dans une bataille, il y a un perdant, il y a un gagnant. Mais est-ce que pour remporter cette bataille, il faut faire la violence? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Mais après, nous aurons à parler de la synergie pour le Congo avec son président José Enyuka, qui est notre invité de ce jour, à qui je m'en vais dire déjà bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Très bien. Comment se porte Synergie pour le Congo? À merveille. À merveille. Avant d'entrer dans tout ce que vous avez fait pendant cette campagne électorale, nous voulons d'abord avoir votre sentiment par rapport à ce qui s'est passé au quartier Ndanou. Est-ce que pour des élections, des Congolais doivent perdre leur vie? Merci pour la question. D'entrée de jeu, vous allez me permettre de saluer les Congolais, voilà. Des milliers de Congolais. Comme la synergie a toujours prôné sur le capital humain, on doit d'abord, par respect, les saluer, les présenter déjà les vœux, parce que nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Oui. Joyeux Noël à toute l'équipe de la synergie, joyeux Noël aux Congolais, bonne année, que tout se passe bien dans la gaieté, dans le calme. On va se battre pour que le social du Congolais revienne à haut niveau, quoi. Et là aussi, je m'en vais saluer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, que je félicite pour le travail qu'il est en train de faire, un travail de qualité, via son directeur de campagne, Maître Jacquemin Chabani,
qui nous a démontré son savoir-faire, sa qualité de, hein, de bien coacher cette campagne. Pour beaucoup, on a failli croire que les autres avaient des stratégies un peu plus meilleures, mais voilà que notre directeur de campagne, du chef de l'État, Maître Jacquemin Chambani, que je salue en passant et que je félicite pour le travail qu'il est en train de faire. Vous avez vu que le candidat numéro 20 est en train de battre, hein, une campagne de proximité de haut débit, on va dire, 5G. Quoi. Vous le félicitez, mais une certaine opinion pense que sur le plan de communication, l'équipe de campagne du chef de l'État a failli. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, c'est leur point de vue. Hein, moi, je n'entre pas dans ça, mais tout le monde est libre de critiquer. Mais nous, on continue à féliciter Maître Jacquemin avec toute l'équipe et Madame Acacia. On les félicite pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ils doivent avoir des nerfs solides parce que la responsabilité qu'ils ont, ce n'est pas de moindre. Donc, ils auront les pierres de partout. Tout le monde va les critiquer. Mais nous, comme nous sommes sur terrain, nous sommes aussi en train de travailler pour le candidat numéro 20. Donc, coup de chapeau à eux. Donc, ils ne devraient pas se fléchir par rapport aux critiques ou aux pierres qui sont en train d'être jetées à leur personne. Quoi. Est-ce que nous devons avoir, nous devrions avoir de morts de plus pendant cette période de campagne, alors qu'à l'est de la République démocratique du Congo, l'est de la République démocratique du Congo saigne déjà? Est-ce que nous devons arriver à ce point-là parce que quelqu'un cherche à se faire élire et donner la mort à certains Congolais? Une fois de plus, je m'incline devant cette perte de vies humaines. C'est déplorable. C'est déplorable. Donc, on ne peut pas encourager cela. Mais on va juste remettre la question aux responsables de la ville pour qu'ils s'imprègnent réellement de cette situation, parce qu'on ne peut pas continuer à perdre les vies humaines. La vie humaine, elle est sacrée, elle est chère. Donc on ne peut pas la perdre comme ça. Déjà, nous avons des morts à l'est du pays pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Alors, pour une situation de choix ou je ne sais pas moi quoi, on ne peut pas continuer à exposer les vies humaines comme ça. Donc, pour cette question-là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que la justice fasse son travail. Nous, on observe, on critique, mais on n'est pas d'accord. On ne peut pas continuer à accepter ce genre de comportement. Hein, on peut être responsable à gauche ou à droite. On ne peut pas biaiser les vies humaines comme ça, quoi. On n'est pas d'accord pour ça. Et je en oui. profite pour présenter les condoléances à la famille éprouvée. Que la justice fasse son travail. Une période de campagne, on a connu une période de pré-campagne saturée, chargée. Je crois qu'on l'avait parlé avec vous ici, lors de votre première intervention sur ce plateau. Mais ce climat qui déborde, même en pleine campagne, il y a des choses qui se font seulement parce qu'on est adversaire politique. Est-ce que parce qu'on est adversaire politique qu'on doit devenir ennemi? Vous avez vu sur la toile ou dans les médias, ce qui s'est passé hier. Monsieur Franck Diongo, filmé, enregistré par les amis du Force du Progrès, condamné à présenter des excuses et à demander pardon au chef de l'État. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui a circulé bien avant, que lui, il était en train de déchirer les effigies du candidat proche du président ou du président de la République. Sa maison a été saccagée. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Bon, généralement, je n'aime pas parler des individus, mais bon, puisque la question elle est posée, on va parler du président de MLP, c'est MLP, ça? Oui. Monsieur Franck Diongo, dommage pour lui, je crois qu'il n'est pas à son premier forfait. On déplore ce comportement-là, quoi. Donc, nous sommes pendant une période très sensible, on n'a pas besoin d'élever les tensions. Hein, la bataille doit être légale, la bataille doit être juste. Hein, on n'est pas des ennemis, on doit éviter des comportements de ce genre. Ça ne nous permet pas d'éduquer la population. Nous sommes des responsables, nous sommes des leaders d'opinion. Hein, nous devons quand même avoir une certaine attitude, nous devons avoir un certain comportement.
nous devons encadrer. Lui, c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois député, si je me trompe. C'est un responsable, c'est un président d'un parti politique. Moi, je n'apprécie pas ce comportement si réellement ça a été tel qu'on a appris, tel qu'on a vu. C'est déplorable. Mais nos amis de Force et du Progrès, nous devons faire très attention, vous devez faire très attention. Nous qui travaillons pour le numéro 20, nous qui travaillons pour la réélection du chef de l'État, nous devons éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi pour essayer. Parce qu'on doit se préparer à ça. Quand on va gagner, on va dire, il y a des uns qui viendront encore pour dire la vérité des urnes ou la, je ne sais pas moi quoi. On doit se préparer à ça. Or, au lieu qu'ils se mettent au travail pour leurs candidats, ils veulent distraire l'opinion, ils veulent distraire la population, ils veulent distraire les électeurs dans des comportements irrationnels. Le seul conseil que je vais lui faire au président du MLP, que je respecte beaucoup, quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine expertise, qui a aussi combattu depuis longtemps aux côtés du patriarche Étienne Tshisekedi. Lui, il a des exemples à nous donner. Pas de ce genre-là, mais il a des exemples à nous donner, des exemples de qualité. Et voilà qu'on va revenir sur les objectifs de la synergie. C'est la promotion des valeurs. Hein, ça, nous déplorons, nous ne sommes pas d'accord. Il doit travailler pour son candidat. Pas de cette manière-là. De manière à avoir un combat assez équilibré. Mais est-ce qu'il fallait que le Force du Progrès réagisse aussi comme ça? Parce que comme il y a des vidéos attestant que M. Franck Dion était en train de déchirer de bâches, il y a des cours de tribunaux. Cette vidéo-là justifierait une preuve qu'on pouvait aussi le poursuivre en justice. Est-ce qu'il fallait se faire justice? Hier, nous avons décrié cette manière de faire avec nos frères de la Kabylie, avec ce qu'on a appelé ici tous milices, les bérets rouges, avec certains maîtres aujourd'hui qui postulent aussi, qu'on a appelé bérets rouges. Et apparemment, nous copions cette manière, cette mauvaise manière, façon de faire, pour ramener et coller au régime de Félix Tshisekedi, alors que l'UDPS a obtenu le pouvoir sans effusion du sang. Je ne peux pas encourager ces genres de pratiques, dommage. Tout ce que je peux dire, on ne peut pas se faire justice. C'est déplorable, on n'applaudit pas. Nous avons un grand travail à faire réélire le chef de l'État avec une majorité écrasante. Donc nous devons éviter de tomber dans ce genre de pièges. Ce sont des pièges pour essayer de créer des zizanies le moment venu. Vous voyez, ce n'est pas bien de se faire justice, ça nous déplorons aussi, mais vous savez, dans une bataille, on ne sait pas gérer la masse. Hein. Parfois, la masse, elle a une certaine manière de réaction. On peut gérer une quantité, mais il y aura toujours un peu de dérapage, même dans les stades, hein, même en Europe, ça se passe comme ça. Dommage, on déplore ce genre de comportement, mais ce que je veux dire... à nos amis de Force du Progrès, tous à la concentrer. Tous à la concentrer. Tous à la concentrer pour tous les qui sont candidats à Bissot, Azalas, à gagner vraiment de manière claire, clean, avec une majorité écrasante. Tout quoi, on a piège, on a mis qui était pour Baoulouka, place Nini, Bakota, tout peut s'abandonner, se passer. Voilà. Parlons synergie. La première fois que je vous avais reçu ici, on a essayé de parler synergie, d'où vous est venue l'idée de créer synergie pour le Congo. Mais ces jours, vous avez déjà évolué parce que vous parlez de l'accompagnement. Vous accompagnez le candidat numéro 20 qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs descentes sur le terrain. Mais j'avais une question que je vous avais posée. Je me suis toujours dit, apparemment, je n'avais pas reçu ma réponse. Qui est derrière vous? Mais je vous ai dit, la synergie s'appuie sur le capital humain. Celui qui est derrière nous, c'est la population congolaise. La population congolaise, ouais. Et vous faites le choix de ne soutenir que Félix-Antoine Tshisekedi. Non, je connais la gestion. Je pars sur des éléments basiques. Oui. Je connais la gestion, par exemple, d'un ménage.
Papa, maman et les enfants. Et les enfants, voilà. Ça n'a jamais été facile. Vous imaginez? Et à combien plus forte raison un pays à 2 345 millions d'habitants de kilomètres, avec une population de taille de plus de 80 millions d'habitants, mon frère. Mais nos amis de... Comment on appelle ce pays Le pays limitrophe. Le pays limitrophe, là. C'est des pays qui représentent peut-être la commune de la Tchango, la circonscription de la Tchango. Vous voyez? Donc, il y a un grand défi à relever au Congo, mais qui ne peut pas se faire en 5 ans. Mais voilà qu'il y a des signaux positifs. On a pris un bel élan. On a pu essayer de gérer certaines situations, hein, pour ne pas entrer dans les détails. On va parler de la gratuité de la maternité, sinon on va parler de la gratuité de la maternité. C'est des signaux positifs. C'est bien. C'est des signaux positifs. Vous allez gratuitement à la maternité, mais il faut nourrir l'enfant. Ce papa là est chômeur. Vous pensez que ça vient résoudre un problème ou ça vient rajouter d'autres problèmes? Parce que si vous devez mettre au monde gratuitement, oui, mais qui va prendre en charge cet enfant? Non, mais il y a de l'emploi qui est déjà créé, non? Avec ce projet de 145 territoires. Mais ce n'est pas tout le monde qui se retrouve. Non. Si seulement certains territoires... J'ai bien dit ici, c'est des signaux. C'est des signaux, ça veut dire qu'il y a de l'emploi qui est créé, il y a de la main-d'œuvre qui est récupérée. Il y a une lumière qui est tentée d'être faite, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais c'est des signaux très positifs. Donc nous devons continuer sur cet élan-là pour enfin, cette fois-là, donner vraiment du travail à tous les Congolais. C'est faisable, c'est possible. Il ne faudrait pas que nous soyons pessimistes. Est-ce que la synergie a aligné des candidats ou c'est une structure qui s'est dit, bon, comme nous voulons accompagner les chefs de l'État, nous allons aussi faire des actions de comme nous voulons. Ou bien, il y a des candidats, ou il y a des membres de synergie qui se sont prononcés aussi en tant que candidats. La synergie n'a pas aligné des candidats, mais la synergie a fait le choix de certains candidats qu'elle accompagne. Vous voyez, notamment le numéro 20. À la présidence. À la présidence. Ah oui. Au provincial, parce que la synergie avait un très grand travail qu'elle a fait pendant la période de la Covid. Donc, la circonscription de la Funa Nyonsoana Nalukunga, synergie à Kangango. Mais comme elle ne pouvait pas laisser tous ces électeurs-là abandonner à leur triste sort, la synergie a porté des choix sur des candidats. Sur des candidats que la synergie accompagne. Notamment, comme j'ai dit ici, le président de la République. Le président doit passer avec une majorité écrasante. Là où la synergie est implantée, je vous rassure, hein, vous verrez les PV. Vous verrez les PV des candidats que nous accompagnons. Les PV seront à la portée de tout le monde parce que nous tenons à ce que la publication soit bureau par bureau. Oui. Déjà, bateau, na seni, observateur, témoin, ainsi de suite. Déjà, la source, on peut s'abîmer sur résultat. Vous voyez? Et la synergie via candidat Nabango, via électeur Nabango, via membre Nabango, candidat soutenir. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous accompagnons le numéro 20, nous accompagnons le numéro 3, qui est docteur Bassélé, au provincial à la Founan, à Selimbaou. Il faut préciser, parce que le numéro 3, il y a... Selimbaou. Le numéro 3 au provincial à Selimbaou, docteur Bassélé, qui est une dame de fer, hein, une dame avec qui nous avons fait des descentes. Nous accompagnons aussi le candidat Junior Kalonji, le 801 à Lukunga. Nous l'avons eu à le recevoir ici, dans notre plateau. Que je salue d'ailleurs en passant. Mon Nzambe. Penza, le Biba Nzambe Yambala, il faut que ne liboso.
Junior Kalonji, félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. On est là, la synergie est derrière vous, en train de vous accompagner. On va mettre les observateurs, on va mettre des témoins qui seront là derrière vous pour que Bavouan Abisso ait Ibamaté. Voilà. Pour que Bavouan Abisso ait Ibamaté, donc il y a un travail qui est en train d'être fait, mais je vis des images. Je pense qu'à la régie, on va nous illustrer. Vous avez effectué une descente. C'est vrai, pendant toute la campagne, vous effectuez des descentes. Mais celle d'hier était apparemment une grande descente parce qu'à la fin, après avoir lancé le message, vous avez quand même donné des cadeaux aux mamans. Certains se plaignaient. Mais c'est parce que c'est conforme à qui la logique au Bochaki. Est-ce que pour nous reconnaître la maponami, il faut qu'à couper ça à cadeau. Ton moment est reconnaître ça peuple pour nous couper ça à cadeau. Et ça, moment, on a avant nous, on a la question pour la synergie, l'activité. Oui, merci pour la question. Je sens que tu es très informé. Hein, j'aurais bien voulu que nous allions à Farafara pour mon synergie à Kabara. Taux d'occupation. Synergie à Kabara, Banakala, à Kabate pour les Lokaka. À Kabul et Loté. D'ailleurs, généralement, on fait des actions, tout ça, Makéleté. On a besoin de faire un travail de qualité sur terrain. Et la population, vous avez vu que nous, on descend, tire, placé. Bato, on peut mettre un Konzambo, Kabako, Marate. Bisoto, Kumakuna, Nelonga, président. Hein? C'est quoi le rôle de la synergie? Non, mais la promotion de valeur, accompagner les meilleurs. Et à ce jour, le meilleur, c'est seulement Félix Tshisekedi. Ah, oui, au boy. Mais tout le monde a bien. À ce jour, le meilleur, c'est seulement Félix Tshisekedi. Isaïe, il est meilleur jusque-là. Il est meilleur jusque-là. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est meilleur? Évoluer. Vous êtes en train de répondre, évoluer. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est évolué? Aébi Solola, Bakino, Aébi Bakino, Aébi Bakongolais, Aébi Passa Bakongolais, Azalakana Bango. Il est flexible, il écoute, il est là. Mais seulement la gestion de la République, ils ont des tokens à rater. Pour dire qu'elle est en Akosa, la Nengazo Loba, Penengazo Kanisa. Partout à l'équipe, il a drôné des masses. Mais Nakati a masse, ou non? Je prends peut-être chez moi dans le Congo central, dans plusieurs villes, Batbalélé, Nzala, Mbongoye, Monanati, Kotambolarana, Bangote, Niyibi. Dans la demande du peuple, Nzala, Mbongoye, Monanati, la sociale, Niyibi, Bazo reproché et entourage. Na Louisa, il a dit, il a demandé au peuple, bato yakala, bape sa maman ba voter parce que ba songi yete. Mais est-ce que c'était le temps que le président de la République dise que bato ba zanzinga zinga na ba songi yete, alors que ces mêmes personnes continuent à l'accompagner? Et situation ya peuple ou azole lanzala et changer te parce qu'il avait promis en 2018. Et aujourd'hui, la campagne n'a pas continué à promettre. Alors, il y a un second mandat, c'est-à-dire quinquennat et souka. Est-ce que vous pensez que cette bonne volonté, il y a qu'au sala et qu'au sala sousou par rapport à mandat et liboso? Parce que le mandat et liboso, il y a un sala malam. Pour que, tout le monde ait confiance, il y a un second mandat. Avani, pendant longtemps, il y a papa naï. A Benna Maël et Makasi. Bato ba pemi na ba comprendre genete ba comprendre koyokola na kozwa mayele ya molaki sezande mon côté na lobby hein. La gestion de la République ils ont mis ba biloko mususu to ebité ke ozaki déjà DG entreprise moko boye ozaki directeur quelque part. La gestion de la République, c'est autre chose, hein? La manière de gérer la République, la manière de conduire les institutions, ils ont mené to kanisarate. Vous voyez, en 2018, à la Bango, avec nos amis de FCC Cash, après, paf, il a déboulonné le système. Oui, il a déboulonné le système. C'est de la même manière qu'il va écarter
Bateau Baosung a été. Bateau Baosung a été, mais ce sont les mêmes personnes qui l'accompagnent. Non, il n'y a pas de problème. Chaque chose a son temps. Et il est en train d'étudier le comportement. Logique, il y a redevabilité et quand a été. Il a compris et il sait avec qui il travaille. Il connaît qui est vrai, qui n'est pas vrai. Mais Balongola Moutouka a boité. Il y a des moyens pour écarter et remercier les gens qui ont travaillé, qui t'ont accompagné d'une certaine manière. Mais lui-même, il sait. La population sait. Batouana Pébaïdi qui ne sont plus aimés. Il y a un grand ambition, il y a un grand combat entre la génération qui est passée et la génération qui vient. Bah jeune Mbala Oyo, bah Kotik a tenté et puis bah vient en Baebi. Ils ont du pain sur la planche. Pour preuve, bah Koko qui était en terrain, là où moi j'étais à Selimbao, à Kalamu, Batubazo Lela. Nous, on a donné de l'eau là-bas. On a payé. Vous avez donné de l'eau en tant qu'individu, mais... C'est en tant que structure. En tant que structure. Mais vous ne dépendez pas de l'État. Alors que ce n'est pas nécessairement votre travail. C'est le travail de l'État. C'est social-là du Congolais qui est rongé. Aujourd'hui, vous dites que Félix Tshisekedi, oui, c'est le meilleur... On ne dit pas 10 sur 10, mais c'est le meilleur. C'est-à-dire, moi, la maillée, est à classe. Yende, moi, la maillée, est à classe. Moutou, déjà, tu as vu 7 sur 10. C'est ça que je dis. Yende, moi, la maillée, est à classe. Mais moi, la maillée, est à classe. Bah, cour, moussou, azoko, qui s'est amouté. Et moutou, tu as vu 7 sur 10, c'est à bah, cour, rebelle, déjà, azu. Kassiango, dans le bien. Bah, cour, rebelle, azu. Maintenant, bah, cour, moussou, azu, en a 5 sur 10. C'est-à-dire, la moyenne. Mais à comité, si des structures privées doivent commencer à penser, il y a une population, d'autant plus que vous reconnaître que vous alignez candidat, c'est-à-dire vous ne le faites pas pour des fins électorales. Mais pourquoi l'État congolais, ça l'est là, congolais, le lingue bino ba individu bo zali ko kanisa ko sala au moins te ke nyo so wana e ko zonga na mutu ya Félix Tshisekedi po yende biso to pesa manda ba ministre to pesa bango mandate ce sont ba accord na bango nde ba sala ka nde bim sa ba ministre mais mutu azana manda ya peuple za Félix pour preuve to battre campagne to na période ya campagne yende mutu azo samba na population to mona yi Vital Kamerhe na mboka mo nga bandolo ba biso to na posa na yote tikela ya loba parce que ils savent. Tous les Congolais savent que Moutaza est redevable et à Félix-Antoine Tshisekedi. Le mal est profond. Aïe au coup d'en haut. Aïe au coup d'en haut. Côté en haut. Mathieu Triama est cotaté. Tout est à la bouchée. Pendant plus de 18 ans. Si vous voyez, ça y est. En moins de 5 ans. Mathieu Triama est en haut. Mais tant que vous avez. Tant que vous avez. Tu as rappelé, dans l'université, tu postulas en tant que candidat. Il y a des gens qui sont. Tu es un assistant. Dans notre temps, nous sommes là. Tant que vous avez postulé, c'est-à-dire, vous devez avoir la petite cartographie, il y a des difficultés aux Congolais. Je vous dis, ami, il est là, je vais poser un acte. C'est vrai que vous reconnaissez que le mal était profond. Je reconnais aussi que le mal était profond. Mais quand on a indexé les autres de ne pas savoir ce qu'il faut faire à la place qu'il faut faire, tout le monde attendait que les choses changent en 5 ans. C'est vrai, des ans, tout est là, cash FCC, mais en 3 ans. Et on en habite. Ouais. Hein? Et tu sais que moi, je suis très objectif. N'est-ce pas? Donc, on a sentimentaliste. On a un sentimenté. On a clair. On a le bien que. Le mal était profond. Et en 5 ans, on ne peut pas tout arranger. Du coup, ce n'est pas par une baguette magique que les choses vont changer. Du coup, c'est un processus. Ma baise à la qui FCC cache, bamboué biso. Banama et Moussou Bazan, en cas de gestion, on peut s'embrouiller. Basouni Moukou Nzambo Kate. Et 3 ans s'est écoulé comme ça. Covid paye, Asali Aye Makambo. On s'est battu. Il fallait. Essayer de redorer l'image de la RDC au niveau international. Il s'est battu pour ça. Aux Nations Unies, il a défendu l'image de la RDC. Donc c'est un processus. Tout le monde a sur tous les fronts. Vous voyez?
Mais sur tout le front, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans que tout sera redoré. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Je vous ai dit ici qu'il y a des signaux positifs. Mais il faut accompagner les chefs de l'État. Hein? Il faut non pas seulement accompagner le chef de l'État dans sa mission, mais il faut aussi avoir l'oreille. La population en a. Il y a un biso tokita qui tikuna. Pour nous, il y a un biso balietina na etoye. Nous, ni a. Papa biso a ma izakate. Ma izakate. Ma izakate n'est bon. Banda lelo, ba ope sabino ma yofele. On a payé de l'argent dans le forage. Ba pesa ba maman ma yofele. Vous voyez, ba maman, il y a moi sekuna kota kalamu na selemba ou. Hein? Tant que soit là, là, il y a 1000 francs. Tout na 2000 francs. Il faut aller à Mkanatongo. Il y a un biso. Mais il faut en andar. Parce que ce gars, le mot, il est sous 1000 francs. Il a son minan ou maï. 1000 francs, il a son maman pas. L'état. Alors, biso tout le monde, na période, il y a pas fête. Tout ce que maman attend à moi, maï, baso maï au félé. Ça fait partie du social et ça fait partie de nos tâches, ça fait partie de notre mission. Être à l'écoute de cette population-là, essayer de leur prêter la main. Pour que tout si manan le boko, nan le boko, poto kende li boso. Et sans oublier que côté wana, bande konabiso, ba mpenzi, pemen ya mokonzambo, bazo yate, bazo lekate. Quelle image ils auront du chef? Or, les amis, le chef ne peut pas être partout au même moment. Moutou na moutou, il faut aller ba, na ba tribution, na ye, il faut na bounne la image ya mokonzi. Bazo bango kokene kuna pour nous. Pourquoi? Et vous avez vu dans les images, moi je suis descendu avec ma bande, avec mon équipe, bien éloigné à Yemei. Fachi Béton, numéro 20. Et puis, toi, si population en a, bah, numéro pour voter, Yangoyo. Numéro 20. Oui, terminé. Numéro 20, na provincial, numéro 3, na municipal, numéro 502. Lelo. Bonjour, accompagné Félix Antoine Tshisekedi à 8 second mandat. On espère. À 8 second mandat. 5 ans après, il part. Parce que la minute de Bozo, soutenir, vous êtes derrière sa vision. 5 ans après, il part. Parce qu'il ne va plus revenir à Okoksa 10 ans, c'est-à-dire il y a 2 mandats. Que devient la synergie? Papa, c'est notre aspect s'appelle Synergie pour le Congo. Donc, vous irez soutenir un autre candidat en cas des élections. Papa, nous, on défend le Congo, mais on accompagne le chef de l'État. Vous voyez? Pour qu'il réussisse sa mission. Monsieur Nabiso Yanin, tout relevé le défi à Congo, tout kené liboso, les géants éléphants qui est notre pays, doivent se lever. Les Arabes par terre. À cette période-là, vous allez tisser d'autres accords où vous allez accompagner les candidats qui vont partager la même vision que Synergie. Nous, on prend d'abord le développement local, le développement du pays, tout relevé Congo. Oh, Akouya, on a, si on estime qu'on peut travailler avec lui, ben, il n'y a pas de problème parce que l'intérêt, c'est le Congo. L'intérêt, ce n'est pas les individus. Vous voyez? Félix Tshisekedi, nous travaillons avec lui en tant que institution. Il doit réussir sa mission. Relever les défis du Congo. Et relever les défis des Congolais. Vous voyez? Bisoto, travailler, tes qui. Non. Non. On accompagne le chef de l'État de manière à réussir sa mission. Mission n'est rien. Bah, Congolais, bah, Zouamaï, social, bah, Congolais, ça bien. Congo, à Téléma, a créé l'entreprise de Bélé. N'est-ce pas? Oui. Et puis, Banzila, Ezala. Ben, installation sanitaire, Ezala, ben, bâtiment, Ezala, ainsi de suite. Voilà quoi. Il nous reste 4 jours pour aller aux élections. C'est vrai que vous avez fait des grandes activités. Nous avons vu. Qu'est-ce qui est prévu pour les 4 jours restants pour faire valoir vos candidats, c'est-à-dire à la présidentielle, à la provinciale? Parce que dans la provinciale, vous avez pratiquement la bâtiment, la commune, Nyons. Parce que vous avez cité, monsieur. Calongi Junior qui est dans la nationale. Oui, il y a M. Dani Mabendi aussi, qui est le numéro 4 dans Mongafula.
Donc, alors, c'est des candidats qu'on soutient. Qu'est-ce qui est prévu dans ce petit temps qui nous reste pour atteindre la date des élections? La Synergie avait mis en place un cahier de charges pour accompagner les candidats qu'elle soutient. On peut avoir, avant que vous on peut avoir les grandes lignes de ce cahier de charges. C'était quoi le projet de campagne? Parce que campagne est aussi là. C'est-à-dire, la logique, Parce que tu as dit 4 jours. Na 4 jours, on a fait yeba. Et message ni n'occupe ça n'a pas plus à zone d'ailleurs parce que j'ai vu une vidéo, c'était pour un candidat député sur la toile après ça va après ça va coulou nambongo, je crois que c'était 10 $ ou 20 000 francs, chef de bande na bango tche bango boy a signé micro a mis au pied du sombongo ici là on a net aux zongo les autres bimi to luki kala to meli. Mais sur le côté parlement, au voter la loi, au pessimisme, ça là. Dans les chètes, nous avons eu ce couloir. Donc, on a aussi eu ce tepo. Dans un temps, il y a distraction. Je me suis dit, un couloir réfléchi dans le langue. C'est pourquoi je veux savoir. Dans la synergie, tant que vous se mettre d'accord avec un candidat pour l'accompagner, mais vous devez avoir les critériums. Qui fois à la boue, fois à la boue, fois à la boue. Et c'est à partir, il y a fusion, un message, na binona ya ba candidat, de bo kin de go prêcher. Alors, tout ce qui a 4 jours, parce qu'on tombe, je dirais 3, pour les 16 ans, on est commis déjà pratiquement demi-journée, toujours les gars. Quel est le dernier message ou le message que vous êtes en train de lancer à la population pour que le 20, tant que vous affichez, bah voir bureau de vote par bureau de vote dans bino monan bo banda compilation na bino que vous vous dites nous n'avons pas prêché dans le désert, nous avons prêché dans une terre arable. Profil dans la candidat biso, j'espère que déjà un tu connais Azamo Nzambe, monsieur Junior Kalangi. Oui, oui. Je l'ai reçu à l'invité du plateau, quelqu'un du journal Pluton. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Azamoutou, Azotamboula bien. Et c'est un entrepreneur à l'entreprise Nami Balé. Et je, si je ne me trompe pas, il est le deuxième vice-président, il y a FEC. Si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que c'est pas un creve la faim, c'est un entrepreneur à créer déjà l'entreprise Naé. N'est-ce pas? Candidat Nabisso numéro 3, docteur Basile. Nasselimbaou. Merci. Sinon, sinon ça prête confusion. Ouais. Et pas Batumsou. Là, c'est le mot. La canaille déjà, na Ibandeli. Barosambri, pété pour Baébi, que numéro 20 est allé. Numéro 20 est allé à Alia Banfort. Docteur Basile, elle a lancé une campagne de proximité. Il y a une maladie métabolique qui tue chaque jour. Il y a une certaine prise en charge qui est mise à la population, qui est mise en faveur de la population, au quartier. Sur la circonscription de la Founa, hein, parce qu'il y a un centre hospitalier qui est spécialisé pour ça, parce que Batobele va éviter que les Congolais va commis beaucoup faire capable d'aboyer à l'aller à la mouquite. À l'aller à la mouquite. Voilà. Pour nani ni tombe sous tension bêta qui est. Tout souka les mata qui est. Balobi c'est quoi le dépistage au fêlé. Au moins qu'on bimsa va plan. Non non, mais on voulait savoir. Au moins, quoi, il me semble. Ils vont voler. Ils ne vont pas voler. Nous sommes à 4, nous sommes à 3 jours des élections. Parce que la synergie ne travaille pas pour 4 jours des élections. Non. Non, mais. La synergie continue sa mission. Nous sommes dans la logique de convaincre les électeurs pour vous donner de voix. Et nous sommes à 3 jours. Dans le lobby, non? Nous sommes à 3 jours des élections. Nous, on est sur terrain. Hein? Au-delà, il y a du fait que tu peux si maman mal. Tu peux si maman bongo. Baba noté comme pas. Ba jeune fille ouana. Baba microfinance. Les images sont là. Nous, on fait pas trop de bruit. Nous, on est sur terrain.
Tachimon ou Nazoki, oh non, mais bah Pessi Batou, Bambon ou la campagne, te bino bosa la baction, boenenin. Non. Hein? Tant ou au ligné et loco, tu dois te sacrifier. Nous, on accompagne nos candidats, on accompagne le numéro 20, on se sacrifie. Tous une monte, il n'y a pas de problème, mais cela ne nous empêche pas de travailler pour eux. N'est-ce pas? Au-delà du fait que. Pardon? Au-delà du fait que nous avons introduit un projet de campagne pour le chef de l'État, bien formulé, bien budgétisé. La dernière fois, dommage, sinon, hein, vous m'avez posé la question autrefois, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner le chef? Pour accompagner le chef, voilà. Mais vous avez vu, nous avons introduit un projet de campagne. Et nous sommes sur terrain. Chose que Nabato Bazoa Kimbongo, Nabato Bazoimbongo, ils ne font rien. Parce qu'il y a deux semaines ou une semaine, j'ai vu, il y a des communicateurs de l'Union Sacrée qui sont passés à la télé. Mais oui, ils se sont plaints. Babundi, ils ont mouillé les maillots dans Soukarango. Pourquoi ça va en tambour, ça y est la campagne. Non, bien. Mais quitte sur terrain. Prêcher. Et puis, ça la baction. Non, ils prêchent dans les médias, c'est normal. Nous sommes dans la chambre d'action, il y a place à aucun hôtel. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette manière de faire les choses. Ce qu'on s'allie, on est là pourquoi? Ce n'est pas surtout quand on est là. On est là, on est là. Nous, on travaille. On a introduit un projet de campagne. On n'a pas eu de réponse jusque-là. Mais on ne s'est pas découragé. Mais on fait nos activités. On mène nos actions au nom du chef de l'État. À fond propre. Avec nos propres idées qu'on a élaborées dans le projet. Tout l'élite. Mais mission Abiso et Zakir, mon Konzamboka, il faut aller cas parce que nous avons un tas de projets pour lesquels nous avons besoin d'accompagner les chefs de l'État pour essayer, effectivement, Yakoko Misaba Congolais, milliardaire, comme il l'avait dit. Parce que nous avons des projets bancables. Je sais que tout le monde a toujours défendu son camp. C'est normal. Si on prenait un membre d'une structure qui soutient X ou Y candidat, il aura le même discours. Mais on vient vendre du vent ici, non? Non, c'est ça que je dis. C'est du concret. Vous ne vendez pas du vent, mais Moutouna Moutou Azouar, dans la prise de position. Dans tout ce que vous dites, c'est les Congolais qui vit dans les Malembankoulou, qui vit à Tuidi, qui vit en Batambeng, qui vit dans le Mont-Bango, qui doit sentir que il y a des choses qui se font. Parce que sur la Salibilanganae, on a besoin, transport est facile, à Matipe na Mutuka, à Yen, c'est la paix anormale. Les ambitions, les soucis de faire, oui. Mais le mieux faire, c'est mieux aussi. Parce que nous avons tous décrié ce qui s'est passé avant Félix Tshisekedi. Moi, j'ai toujours été d'avis qu'il est parmi de rares présidents où Bazo a porté touche na bango. Que Congo est de l'Iboso. Mais ce que nous avons voulu voir quand on l'a accompagné en 2018 et ce que nous voyons aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit que c'est le jour et la nuit. Parce que, dans mon tout nabiso to tchaki, tant que Félix Tshisekedi a roué, m'a changé ma mort. Et c'est ce qu'on nous avait fait croire. Parce que si vous suivez le président de la République lui-même à l'époque, il disait aux policiers, tous les gens qui ont été nous, pourtant, tu as dit que les policiers ont été en train de se faire. Mais le salaire à policiers, à taille matin, ils ont 234 000 francs. Il y a une mission à synergie. Non, c'est ça. Pour nous, c'est un peu ça. Ils ont avoisiné 253 000. Donc, ils ont même 100 dollars. Parce que 100 dollars, les lois ont cité, et ils changent jamais 265 000, 270 000. Le souci y est, oui, nous l'encourageons. Mais le vouloir bien faire, n'est le qui mieux. Gratuité de l'enseignement, ça nous permet. À ce jour, c'est comme je venais de le dire, nous sommes à 4 jours des élections. 4. Mercredi le 20,
Il faut que vous soyez dans ma pomme. La caméra vous est fixée. S'il faut dire, lancer un message aux Congolais en une minute, vous leur dites quoi? En une minute, on ne sait pas tout dire parce qu'il y a beaucoup à dire. Hein? Mais comme vous avez évoqué beaucoup de points, notamment bah, militaires, bah, enseignants, salaires, les insuffisantés, je vous dis que tout à l'heure, je vous ai dit que nous, on est objectif. Nous, on ne rêve pas. Biso tozo revete. Banakin, biso tozo revete. Au-delà du fait que tozo accompagné mon Mokonzi Mboka pour réussir mission nae, mais et senge na biso pe koyebi sa que ah Mokonzi, tala koto ba soda mbong na bango par rapport à taux d'échange les amuke tala na nengenini na libengi ou baxe la bango mbong. C'est ça la mission de la synergie. Synergie azo yebisa mon Mokonzi Mboka nengenini fois ça là pour être à réussir mission nae. Token de liboso Mboka et ma condition de vie à ma Congolais est s'améliorer, accès à l'eau, accès à l'électricité, accès aux soins de santé primaires, accès à la scolarité. Babilo Kounio, surtout on a un cheval de bataille, il y a mon Konzamboka, synergie, Moussala Nae, il est à collecter les problèmes à ma Congolais. A même pas mon Konzamboka, à Ebisé mon Konzi, tu as la place de l'outil, tu as coûté à Makambu, Boye, tu as la nana Nuna Libenga. Nengeni nyoki ko sala effort pour être au améliorer ba condition na bango. Donc pour terminer en un mot, ba Congolais topé sa confiance et pas à Mokonzi Mboka numéro 20. Félix Tshisekedi ayebi ba problème na biso. Ayebi ba souci ba Congolais, a bo sanité. C'est vrai que situation sociale est vraiment déplorable. Ayebi a bo sanité. To pesa ye second mandat, to sungaye, to tala, bo mona, nengeni ni makambo, nyo so yeb se biso, ako realize yango. Nasima, vous serez satisfait, vous allez voir comment est-ce que le pays va se relever. Voilà, merci beaucoup, c'est sur cette conclusion de Monsieur José Nyuka, qui est le président de la Synergie pour le Congo. Merci beaucoup. Merci, d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai qu'on a pris, je crois, 3 réponses, mais Dieu voulant, on l'a quand même enregistré parce que je me disais qu'on devait enregistrer avant la fin de la campagne pour que le message de la campagne de la synergie soit lancé à tous les Congolais qui vont nous suivre. Oui, vous voulez ajouter un mot? Oui, en tout cas, je tenais à présenter les excuses auprès des Congolais. Oui. Émission où il fallait ça, Mabanakala, Boulim Sangai, faute Nangaïté, faute Yamoussala sur terrain. Hein? Na sengbino bolimbi simakasi, mais tout s'est rattrapé. Avant fin de l'année, il fallait tout ça à l'émission Oyo. Hein? Merci encore pour Nabi ke bolimbi singa. Biso tout ça musala pour Nabino. Hein? Donc, vous comptez sur Biso, toko pesa makanisi na Biso et pas à Mokonzi Mboka pour être à Koka pour relever le défi yaba Congolais. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je ne saurais pas terminer cette émission sans féliciter une dame. Elle s'appelle Dorcas Ekanga. Félicitations à elle. Aouti, Baouti Kokole, Lelo. Alongwe, na Kombonae, partout, Bokoma, Yango, Bobando, Tchadé, na Era Mouke, parce qu'elle a commis docteur Dorcas Ekanga. Félicitations à elle. Et puis, je vois du côté de la Tchangu, on l'appelle l'éléphant du Golfe. Lui, c'est Albert Doudoui Lunga, Totombo la Tchangu, na pété, numéro 306. Le 20 ans, vous avez voté le candidat président Nabino, il y a un candidat national. C'est M. Albert Doudou Albert Ilunga, le numéro 306. Ce qui est le talent de la nouvelle énergie na Funa. Lui, c'est Assoumani Mbisso Olivier, le numéro 108. Na Funa, vous pouvez voir parce que Azan a besoin de renouvellement de la classe politique. Toi, on a posé à ba jeune, na makila ya ba jeune, na makanisi ya ba jeune, pour na kosunga Mokonzi Mboka. Po Mokonzi Mboka ya lobby yango na campagne na yi. Batu ya kala, bo pesa bango sou ba voite po ba sungi ngati. Merci à l'équipe technique. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous avais donné le temps. Autant ba numéro nous autant autant numéro 20. Il faut tant numéro 20. Non, la présidence. Mais tant numéro 20. Ceux qui vont autant.
Peut-être c'est parce que vos humains sont locaux. Mais vous avez pour vous. Nous sommes locaux parce que ce sont des candidats que nous, FM, accompagnons. Ah. Ah oui. La bon. FM, nous accompagnons ces candidats. Mais aujourd'hui, le numéro 20 est là. Il y a un candidat au FM, ils ont accompagné. C'est-à-dire ils ont payé à la caisse de la FM. Ah, il y a bien. Ils ont payé à la caisse. Ils ont travaillé pour... Ils ont Merci beaucoup à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Rabi Fouka bien que fatigué parce que terrain l'équipe Mikolo, mais il est quand même là pour la prise de vie. Et à la régie finale, je vois Don Benj, moi je l'appelle Tonton Benj. Merci pour tout et on se retrouve déjà le lundi pour un nouveau numéro avec d'autres invités. Surtout que ça sera le dernier jour de la campagne électorale. Bye bye.